Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Nous vous remercions très chaleureusement de participer donc, à cette table ronde en distanciel, dont l'organisation a été programmée, orchestrée par notre responsable de communication, Virginie Avian. Je remercie au passage notre directeur d'IUT, Haruna Souleali, qui favorise hein, ce type de projet. Alors, la réalisation de ce webinaire est portée par la chaire TOR. Et cette chaire, qui est en construction actuellement entre l'Université de Lorraine et l'Université de la Sarre, dont les membres hein, de la chaire sont pour quelques-uns autour de cette table, eh bien, a pour objet d'accompagner hein, les acteurs du secteur du tourisme dans leur transformation à une activité durable, dans leur stratégie de digitalisation. Je souhaiterais d'ailleurs informer l'ensemble des participants qu'un colloque va se tenir dans les Ardennes belges ce 13 octobre et qui va porter justement sur le tourisme et notamment le tourisme transfrontalier. Donc bien sûr, hein, vous êtes bienvenus. Alors, nous accueillons autour de cette table de manière présentielle et à distanciel. Là, je vais commencer par ordre alphabétique. Corentin Balva, qui est stagiaire en Master 2, donc qui est à ma gauche, hein, là tout de suite, et qui travaille donc sur la question du tourisme après Covid au sein de notre IUT. Au passage, j'en profite pour informer, pour faire un appel auprès des différents acteurs publics ou privés du secteur du tourisme pour proposer à notre jeune futur chercheur un contrat de type professionnel qu'on appelle contrat CIFRE et en fait qui va l'accompagner pendant ses années doctorales. Donc, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, donc ces acteurs hein, à qui je fais appel, vous pouvez envoyer un message aux adresses e-mail qu'on laissera sur le site de l'UIT Longwy. Ensuite, à ma droite, Florence Renard, qui est enseignante-chercheure au Centre juridique franco-allemand de l'Université de la Sarre, qui sera accompagnée en distanciel et en présentiel par des jeunes chercheurs en droit et qui va présenter les résultats de ses travaux de laboratoire. Philippe Cormann, qui est à ma gauche, qui est enseignant-chercheur retraité, qui professionnel dans le secteur du tourisme, avec lequel nous avons mené une recherche sur la question d'Airbnb et qui présentera d'ailleurs l'état actuel de cette plateforme. Ensuite, Sarah Tahali, qui est en distanciel, donc jeune doctorante en sciences de gestion spécialisée dans le tourisme durable. Et enfin, en dernier, que je vais présenter plus précisément, Maître Axel Zenati, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Moi-même, Hélène Ildiz, peut-être pour certains que vous connaissez parfaitement, donc enseignante-chercheure au sein de l'Université de Lorraine, au laboratoire Cérifige, spécialisée dans le développement territorial et notamment à travers deux axes, le commerce et le tourisme. Alors, c'est vrai que ce secteur aujourd'hui se digitalise très fortement. Apparaissent maintenant des mastodontes comme Booking qui font les intermédiaires entre l'hébergeur et le touriste. Mais finalement, on peut se poser une question qui est principale à cette table de recherche et qui est en filigrane. Est-ce que ces plateformes, ces intermédiaires peuvent être des moyens d'un tourisme local? Et surtout aujourd'hui, hein, on voit bien avec la pandémie, est-ce que c'est quelque chose qui peut être propice? Donc là, c'est ce qu'on va avoir en filigrane autour de cette table ronde. Alors, la table ronde va se diviser en deux temps. Un premier temps qui va faire une analyse plutôt économique avec un diagnostic sur le territoire, avec des témoignages. Et en deuxième temps, une analyse plutôt de l'évolution juridique de la réglementation de ces plateformes. Voilà. On va démarrer avec la présentation de Corentin Balva sur justement une description, un diagnostic de l'hébergement touristique dans le pourtour transfrontalier et notamment le pourtour, et plus exactement, du Luxembourg. Corentin, je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, pour commencer notre étude, on va tout d'abord faire un point sur la situation géographique de l'hébergement touristique dans la grande région et en particulier pour tout le pourtour transcontinental luxembourgeois. Donc, il faut savoir que dans mon étude, j'ai utilisé Booking comme plateforme pour recenser tous les hôtels que j'ai étudiés. Donc ici, c'est une cartographie générale qui représente les hôtels et les appartements dans toute la grande région étudiée. On remarque que ça fait que les hôtels suivent une sorte de forme en Y qui part du Luxembourg et qui rejoint les autres pays frontaliers sur les grands axes autoroutiers et les grandes routes. On remarque plusieurs grands regroupements d'hôtels et d'appartements sur les zones touristiques et sur les frontières, notamment au centre-ville du Luxembourg ou à Trèves en Allemagne ou aussi par exemple à La Roche en Ardennes en Belgique. Il est aussi à noter que sur les pays comme la France et la Belgique, on a beaucoup plus d'éparpillement au niveau des hôtels et des appartements qui sont plus situés tout au long de la frontière et des routes qu'en grand regroupement sur les grandes villes. Donc après avoir vu cette situation géographique, on va passer à une analyse plutôt descriptive de la situation. Donc ici, on a plusieurs données sur les quatre pays concernés qui ont été triés par ordre alphabétique, donc l'Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg. On voit qu'il y a plus d'hôtels récupérés au Luxembourg, étant donné que c'est plutôt la pierre angulaire de l'étude, et il y avait plus d'hôtels concernés par les frontières. En France, il y a un nombre plus faible d'hôtels, étant donné que ceux sur Metz, je les ai laissés de côté, étant donné que ce n'était pas vraiment considéré comme frontalier. Ensuite, les données récoltées ont été tout d'abord, pour commencer, la présence sur les réseaux sociaux des hôtels. Donc on peut remarquer que la France et le Luxembourg sont assez devant la Belgique et encore plus loin l'Allemagne qui est assez en retard à ce niveau-là. Les réseaux sociaux les plus utilisés par les hôtels sont tout d'abord Facebook, qui est utilisé par tous ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux. Ensuite Instagram et LinkedIn, qui suivent assez loin derrière. Dans un second temps, le pourcentage de réservations en ligne, qui représente la part d'hôtels qui permet de réserver en ligne directement sur son site internet. Donc on peut remarquer que l'Allemagne, la France et le Luxembourg permettent pour la plupart de cette option, alors qu'au niveau de la Belgique, on a seulement 64% des hôtels récupérés qui la permettent. Donc c'est un pourcentage assez faible par rapport aux autres, donc c'est sûrement un secteur sur lequel ils devaient travailler. Ensuite, les différentes notations en dessous sont des notes récupérées sur Booking, qui en fait représentent des notes données par les clients de tous les hôtels. La note Booking sur 10 est en fait la moyenne de toutes les différentes notations. Donc par exemple, la propreté, le positionnement géographique, la note donnée au personnel, ensuite le rapport qualité-prix. Donc comme on peut le voir, l'Allemagne et le Luxembourg sont assez loin devant la Belgique et la France. Et cette différence, elle se constate aussi dans les notes individuelles, étant donné que, notamment au niveau du rapport qualité-prix et au niveau de la propreté, on voit qu'elles sont assez loin devant les autres. Donc toutes ces notations sur lesquelles la France et la Belgique sont en retard sont différents points sur lesquels les hôtels pourraient se pencher pour s'améliorer. Et dans un dernier temps, les mesures supplémentaires, en fait cette valeur représente le pourcentage d'hôtels qui précisent sur leur site internet ou sur les plateformes de réservation en ligne si elles ont mis des mesures supplémentaires en place vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle. Donc ensuite, après cette analyse, on va passer sur des constats. Donc, tout d'abord, la présence sur les plateformes en ligne. Concernant les hôtels, on a une présence quasi parfaite de tous les hôtels dans les quatre pays concernés, sur TripAdvisor, Booking ou même sur Trivago. Par contre, au niveau d'Airbnb, dans les quatre pays, il n'y a quasiment aucun hôtel qui est représenté. C'est seulement 4 ou 5 hôtels par pays, pardon. Donc pour étudier le poids de chaque plateforme différente, ce n'est pas vraiment pertinent, étant donné que tous les pays sont similaires à ce niveau-là. Pour étudier le poids dans chaque pays, nous allons plutôt nous plancher vers les appartements, donc en étudiant les différences entre TripAdvisor et Airbnb à ce niveau-là. Donc, comme dit au début du diaporama, c'est Booking qui est utilisé comme référence pour les comparer entre eux. Donc, tout d'abord, en Allemagne, c'est le seul pays où Airbnb est plus utilisé que TripAdvisor, sur les appartements étudiants en tout cas, alors que dans les autres pays, c'est TripAdvisor qui est beaucoup plus utilisé qu'Airbnb. Et ensuite, pour finir, il est intéressant de constater que ce sont souvent les appartements gérés par des particuliers qui sont utilisés par Airbnb, alors que TripAdvisor concerne plutôt les appartements qui sont gérés par des grands groupes qui possèdent eux-mêmes plusieurs appartements. Donc merci de votre attention. Merci Corentin pour cette présentation très explicite. Donc on voit bien en note hein, que selon le type d'acteur, selon le,
le type de pays, on a des stratégies hein, qui privilégient une plateforme plutôt qu'une autre. Justement, qu'en est-il de la réalité? Et surtout, après cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a des vrais avantages de ces plateformes? Est-ce qu'il y a vraiment des impacts positifs? On va, là maintenant, écouter un témoignage d'un hébergeur particulier qui utilise la plateforme Airbnb et on va se rendre compte qu'il a eu une évolution dans sa stratégie d'hébergement. Bon, vas-y, explique-moi un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière pendant par rapport à ton activité Airbnb. Donc pendant le confinement, effectivement, à partir du 17 mars, ouais. Donc effectivement, tout a chuté, c'est-à-dire que je n'ai plus de réservations. Plus rien du tout. Et même des annulations de réservations. Ouais. D'accord. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, il me semble, c'était mi-mai. Oui. Ça a commencé à reprendre, mais progressivement. Et des gens, alors des touristes étrangers ou des touristes français? Non, c'était plus des touristes français, effectivement. Voilà, c'était exact. Pratiquement des touristes français. Alors, c'est des petites périodes. Et, combien 2-3 jours? Alors, moi, je fais minimum 3 jours. D'accord. Donc là, je me rendais compte quand même que je perdais beaucoup de nuitées par rapport à 2019. Exact. Voilà. Ensuite, deuxième confinement, en réalité, j'ai pas senti, parce qu'en fait, les gens travaillaient. Donc les gens travaillaient malgré le confinement, ouais. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes au niveau des entreprises. D'accord. C'est-à-dire des gens en déplacement, des entreprises qui cherchaient à loger leur personnel. Donc effectivement, là, c'était à peu près en septembre, octobre, j'ai commencé à travailler un peu avec des entreprises, c'est-à-dire que c'est déjà plus des 15 jours, 3 semaines de présence, de séjour. Et tu as changé tes prix à l'époque ou pas? Alors non, pas du tout. Où j'ai commencé à changer les prix, c'était donc ça s'est passé début 2021. Mais là tu as changé parce que tu voulais changer de stratégie ou parce que tu voulais t'adapter? Non, en fait, alors, pourquoi j'ai changé de stratégie? Parce qu'à un moment, alors effectivement, j'ai une personne, en fait pendant 3 mois, mais à tarif plein. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en. Alors, elle a libéré l'appartement, c'était à peu près en mi-janvier. Mmh. Et en fait, j'ai une période où à un moment, j'avais plus de retour. Parce qu'il me semble qu'il y avait un petit confinement dans début d'année. Exact, tout à fait. Et là, je me suis dit, ouais, je vais changer de stratégie. J'ai changé de stratégie. Ouais. Et en fait, j'ai diminué légèrement le prix. D'accord. Parce que moi, je ciblais vraiment de la longue durée. Quand je dis longue durée, c'est parce que j'ai bien vu que j'avais des retours. Des demandes, parce que j'ai un petit peu analysé, donc j'avais des demandes, ce que je vais faire, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 15 jours maximum. Et ensuite effectivement, quand j'ai changé mes paramètres, j'ai tout de suite eu des demandes. D'accord. Et ça uniquement avec Airbnb, c'est-à-dire, quand j'ai Airbnb, sur le site Airbnb. Moi, je travaille uniquement avec Airbnb. C'est bien. Je ne passe pas par d'autres plateformes. Pourquoi je travaille avec Airbnb? Parce qu'en fait, l'avantage quand on travaille avec Airbnb, bon, les taux de les coms sont beaucoup moins importantes, hein, c'est du 3%. Et en plus de ça, ça me permet d'être un statut. Airbnb, en fait, il propose un statut, ce qu'ils appellent super hot. D'accord. C'est-à-dire que c'est au niveau du qualitatif. Oui. Donc moi, c'est ce que je suis actuellement. D'accord. Ok, donc, un très bon statut. Voilà, c'est ça. Donc ce qui permet d'être assez ça. Voilà. Bien ça. Voilà. Ok, très bien. Super. Merci. Alors là, on vient donc d'écouter un témoignage, en fait, qui montre bien qu'il y a une sorte d'évolution des pratiques, hein, de réajustement de pratiques. Mais justement, je me tourne vers Philippe. Philippe Gorman, qu'est-ce que tu en penses de cette évolution? Et plus largement, est-ce qu'il y a une évolution des pratiques sur Airbnb? Alors, merci Hélène. Oui, ta question, elle est pertinente, parce qu'en fait, on a écouté dans cette interview, une personne qui a changé de stratégie. Elle est passée d'une stratégie de courte durée, sur Airbnb, 2-3 nuits, à une stratégie où elle applique une durée beaucoup plus longue, 15 jours, 1 mois, 2 mois. Et donc ça a été un peu dans l'ADN aussi d'Airbnb. Airbnb, à ses débuts, c'était vraiment offrir le matelas pneumatique ainsi que le breakfast. D'accord. Maintenant, ils ont intégré
À leur démarrage, ils ont intégré tous les particuliers des États-Unis. Ça s'est propagé donc en Europe. Et puis là, on a maintenant chez Airbnb les hôtels qui peuvent aussi positionner leur offre. Et puis il y a eu aussi les lieux insolites. Donc on est vraiment là dans une stratégie qui s'adapte complètement à la mutation donc des désirs des clients et notamment de ceux qui veulent héberger. Puis ensuite, quand je reprends la conduite qu'on avait menée en 2019 sur le Grand Est, plutôt sur la Moselle, avec un nombre de logements offerts qui était aux alentours de 350-400 en Moselle, bien, je me suis aperçu avec une étude récente qu'on a faite que c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire que, en fait, cette adaptation de stratégie, elle a été faite à la marge par un certain nombre d'hébergeurs. Et puis, il y a eu cet effondrement de la Covid, dû à la Covid, de plus de 50% du business qui est parti. Eh bien, pareil, suite à une enquête que j'ai réalisée au mois de mai, eh bien, on s'aperçoit que le tourisme d'hébergement via Airbnb est reparti d'ailleurs dans des proportions très très fortes. Et la seule différence à noter, c'est que le tourisme local a été plus développé, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des touristes qui sont de la région ou des régions limitrophes, mais qui vont visiter des endroits touristiques locaux. Voilà. D'accord. Bon, alors, ce que je retiens, finalement, de ce que tu dis, c'est que ces plateformes servent quand même à remplir, à permettre cet hébergement. Et justement, on va écouter un témoignage d'un professionnel, d'un manager, d'un grand groupe, et qui montre bien ce côté positif de ces plateformes, et notamment pour l'offre touristique d'hébergement. Bonjour, merci donc Monsieur Rosenbaum d'accepter de participer à notre panel de professionnels. Je vais vous laisser l'occasion de vous présenter pour pouvoir répondre à notre première interrogation. Et grâce à votre expérience, quelles a été effectivement les réservations et le profil de ces réservations faites auprès des établissements hôteliers dans lesquels vous avez pu travailler. Alors, je suis rentré dans le monde de l'hôtellerie en 2005, en travaillant de nuit, donc en tant que night auditeur, et j'ai gravi comme ça les échelons jusqu'à un poste de directeur général en 2017, où j'ai terminé ce poste-là en 2020 auprès du Radisson Blu à Spa. Parcouru les hôtels du groupe Radisson, par le Radisson Blu à Bruxelles. Puis après, j'ai fait un passage par le Radisson Blu à Marne-la-Vallée, donc à côté du Paris Disney, pour revenir sur Bruxelles et enfin aller travailler au Radisson Blu à Spa, où là, je suis passé par les postes de chef de réception, revenu management, meeting and events, et retour à la réception pour finir en tant que directeur de l'hôtel là-bas, de 2017 à 2020. Au niveau des moyens de réservation, il y en avait plusieurs. On avait une partie des réservations qui venaient en direct à l'hôtel par des clients qui appelaient ou envoyaient leur mail et faisaient la réservation directement avec l'hôtel. On avait une partie, et là je dirais qu'on est plus ou moins à 35% de du chiffre d'affaires de l'établissement, tout ce qui était séminaire et séjour de groupe, que ce soit groupe pour le circuit de Formule 1 qui était situé juste à côté de l'hôtel, on va dire, et des groupes où c'était de l'incentive, du team building ou des réunions d'entreprise. Et puis les 64 autres pourcents, on était plus sur une clientèle loisir individuelle qui venait pour passer un week-end ou un petit midweek. Et on avait un petit pourcent de clients qui étaient là vraiment pour affaires, visites d'entreprise et autres. Les réservations se faisaient soit par réservation directe ou sur des plateformes internet, que ce soit le site de l'hôtel ou de partenaires en ligne. Justement, ces plateformes numériques donc, qui se sont développées à l'initiative des hôteliers, si je ne m'abuse, est-ce que ça a été plutôt positif ou aujourd'hui c'est un monstre développé et qui a pris trop de place?
Alors, dans les plateformes, il faut que l'hôtelier fasse toujours le choix quand il souscrit à une plateforme, c'est de voir la rentabilité, s'il en a réellement besoin, oui ou non. Il y a des plateformes comme Booking.com, Expedia et autres qui travaillent sur une commission où ils sont plus sur un forfait, nuitée ou nuitée avec petit déjeuner, où ils sont facilitateurs de la réservation. Et qu'après, ben, ils font un transfert des données du client avec coordonnées, adresses, etc. Et d'autres plateformes qui sont plus basées, comme un Weekendesk, Travelbird, etc., qui sont plus basées sur une expérience ou une formule loisir, avec par exemple un repas, un soin, un massage ou autre, et qui, eux, vont plus être le générateur de la réservation et également du paiement. Là où les Booking.com et Expedia, ben c'est l'hôtelier qui va procéder au paiement. Des agences comme Travelbird ou Weekendesk, ben le client paye à Travelbird et Weekendesk, et puis Weekendesk paye avec un mois de décalage le séjour du client. Et donc là, le risque financier, il est plutôt chez l'hôtelier. Or que chez Booking et Expedia, ben, le paiement est encaissé par l'hôtel et il reçoit sa facture de commission après le séjour. Commission qui peut aller de 12 à 20, voire plus de pourcents selon la ville où est situé l'hôtel. Donc, effectivement, je vois que la présence des commissions est un enjeu et qui, effectivement, certains hôtels font réfléchir, mais je vois que vous avez présenté toute l'offre, en tous les cas, des centrales de réservation. Il y a un deuxième marché maintenant qui se développe en parallèle, qui va être celui du C2C de type Airbnb, qui est encore complètement autre chose. Est-ce que là encore, vous avez vu l'arrivée d'un nouveau concurrent et qui aurait donc impacté alors, le secteur hôtelier en général et Aspa en particulier, est-ce que vous avez pu suivre sur vos dernières années d'expérience une évolution? Alors, l'arrivée de partenaires C2C, genre Airbnb, oui, ils sont arrivés sur le marché et seront de plus en plus présents sur le marché. Ce qu'il y a avec ce type de site, c'est qu'en soi, ben, on se retrouve sur un marché qui est en partie envahi par des professionnels qui mettent également en location sur ces plateformes-là. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que ces plateformes-là ont de toutes autres contraintes qu'un hôtel. Un hôtel va, selon sa catégorie, avoir du personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des contrôles obligatoires, des installations plus importantes, etc. Or que dans la plupart des endroits, les plateformes C2C n'ont quasi aucune réglementation ou pas plus que le fait d'avoir une assurance et encore. Donc, c'est un peu une nouvelle tendance et un nouveau marché. Aspa ont commencé à le voir sur des courses qui avaient lieu au circuit à plus petit budget ou des festivals de musique qui ont lieu sur la ville, où des gens ben, préféraient avoir l'autonomie et ne pas être dépendants d'horaires et autres, qui réservaient plus des Airbnb ou des gîtes dans la région et avoir leur complète indépendance. Bah, je vous remercie, vous avez été très complet. Merci beaucoup et puis on reviendra vers vous peut-être pour les suites de notre projet. Merci. Je vous en prie. Voilà, comme on a pu le constater, hein, malgré certains frais, certaines commissions qui sont prélevées par ces plateformes, elles sont quand même bien utiles. Ce témoignage qui n'est pas très loin hein, de nos frontières, mais en fait, on va retrouver la même chose dans un autre territoire très éloigné, Agadir. Là, on va écouter un témoignage d'un responsable d'un grand groupe d'hôtellerie hein, et qui va aller aussi dans ce même sens. Par quel biais les réservations sont-elles effectuées dans votre établissement? Est-ce que vous pourrez me préciser à peu près les pourcentages approximatifs de chaque canal? D'accord. Donc, chez nous, voilà, donc les réservations, elles viennent des cinq grands segments.
Donc, il y a des réservations individuelles, des réservations des sociétés et des agences de voyage. Et bien sûr, des réservations online qui viennent via les sites de réservation, comme Booking, Expedia, Voyage Privé et autres. Donc, voilà, donc les réservations qui viennent souvent par emailing, soit par des appels téléphoniques et des formes de listing des clients qui viennent sur place. D'accord. Et quel est le canal qui prend un peu plus le pourcentage le plus élevé parmi ceux que vous venez de citer ? Voilà, donc c'est les individuels. Donc, normalement, la situation réussie pour un hôtel, c'est que voilà, donc le pourcentage des individuels, il doit dépasser les 50 et 60%. Un hôtel donc, qui se dit il est en bonne santé, c'est un hôtel où le pourcentage des individuels est pris. Donc, voilà, donc chez nous, c'est ça. Donc, on a les individuels qui constituent à peu près 67% des réservations et le reste, ils viennent via les agences de voyage et les tours opérateurs à hauteur de 30%. Et on a aussi les sociétés qui sont à 5%. Quand je parle des individuels, c'est des individuels donc, qui font des réservations directement, soit par des appels téléphoniques ou par emailing, ou bien qui font appel au site de réservation comme Booking et les Booking, Expedia et Voyage Privé, comme j'ai cité avant, donc ces sites de réservation. D'accord. Et plus précisément, qu'est-ce que vous pensez, quel est votre avis de ces intermédiaires de plateformes numériques en ligne, comme Booking? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Actuellement, c'est devenu une obligation. Donc, tout le monde a fait appel à ces sites de réservation. Et voilà, donc, je ne dirais pas que, voilà, sans eux, les hôtels ne peuvent pas survivre. Mais voilà, donc, ils constituent actuellement un outil qui est très, très important pour la vente d'un hôtel. Donc, je pense voilà, donc, que c'est l'avenir et très très prochainement, la majorité des réservations ils se feront via ces sites de réservation. Et plus ces sites de réservation ils sont plus forts, plus leur finale des agences de réservation traditionnelles et ça. D'accord, donc finalement, vous n'êtes pas contre ces sites, au contraire. Non, si je travaillais dans une agence de voyage traditionnelle, oui, j'aurais vraiment peur, mais pour moi, un appel, donc, c'est, voilà, donc, c'est, ce qui est intéressant avec ces sites de réservation, c'est qu'ils font des réservations de masse. Pendant une journée, tu te retrouves avec une trentaine ou quarantaine de réservations, alors que généralement, une agence de réservation, il fait une ou deux réservations par jour, voire par semaine. D'accord, ok. La dernière question, est-ce que vous pensez que ces plateformes sites aussi sont un danger pour le secteur hôtelier en général et pour votre établissement en particulier? Non, je crois pas. Du moment, voilà, donc c'est un outil parmi d'autres, il faut juste bien négocier voilà, les termes des contrats, il faut être clair, il faut faire confiance à son produit, croire à son produit. Voilà, donc, non, je ne crois pas qu'il constitue vraiment un grand danger pour notre métier, que ce soit pour l'hôtellerie en général ou pour notre hôtel qui fait, comme je dis, notre hôtel, donc on a notre database est constituée en majorité par des individuels. Donc les individuels donc, ils font appel à notre hôtel. Donc généralement leur décision d'achat elle est préalablement prise. Donc leur décision d'achat elle n'est pas vraiment influencée par ces sites de réservation online. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. C'était un plaisir. Avec plaisir de partager. Voilà, donc on vient d'écouter un témoignage très loin de chez nous, mais qui exprime hein, la même chose finalement, le même constat. On a besoin de ces plateformes,
Mais finalement, je me tourne vers Philippe Corman. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y ait que des effets positifs? Est-ce qu'il n'y aurait pas des impacts plutôt négatifs avec des externalités négatives lorsqu'elles sont implantées dans certains territoires, Philippe? Oui, c'est une question très pertinente parce que quand on a étudié donc l'implantation d'Airbnb, notamment en Moselle, on a essayé de traiter ce sujet-là, ce qu'on appelait, nous, enfin, dans notre jargon, les externalités négatives. On en avait dénombré trois à l'époque. La première, c'était les nuisances sonores. Hein. Et effectivement, alors, on les avait constatées un peu sur Metz, mais c'était constaté depuis un certain temps par Airbnb en tant que tel, qui a mis en place d'ailleurs un fonctionnement pour essayer de résoudre ces problèmes de voisinage. Effectivement, des clients de particuliers qui arrivent à 1h du matin et puis d'autres qui repartent à 5h pour des raisons d'avion ou de départ ou d'arrivée d'avion assez tardive, ben, c'était effectivement des occasions pour gêner, entre guillemets, le voisinage. La deuxième externalité un peu négative, c'était la pression sur les prix. Même si à Metz, on l'a constaté dans les années 2018-2019 avec une augmentation à peu près de 10-12%, mais ça a été constaté bien ailleurs où là, la pression immobilière a été très très forte. La pression sur les prix, immobilier a été très très forte. Et puis enfin, ce qui a été constaté, c'est le début de désertification des centres-villes. Bah oui, hein, à partir du moment où vous avez commencé à avoir d'abord une pression sur les prix, hein, donc les loyers aussi. Deuxième chose, la pression sur des nuisances sonores qui sont de plus en plus fréquentes, ben les gens quittent les centres-villes pour aller en périphérie. Et c'est ce qui s'est passé donc dans les années 2017-2019. Bon, 2020, hein, on sait très bien que c'est une année blanche hein, à ce niveau-là, et rien ne vient. La dernière petite chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on a assisté il y a à peu près une semaine et demie, à une réunion avec des collectivités locales de la grande région, hein, des Belges, des Allemands, des Luxembourgeois, des Français. Et il s'est dit, parmi les élus, hein, il y avait beaucoup d'élus de collectivités locales, et ces élus commençaient à réfléchir justement sur des problèmes d'urbanisme, parce que l'urbanisme dans ces régions n'avait pas forcément été conçu au départ pour accueillir autant de monde, parce que l'effet Airbnb a été assez très important chez eux, c'est ce qu'ils nous ont dit, et donc ils se mettent maintenant à réfléchir pour limiter les effets négatifs de ces touristes qui arrivent dans nos régions, dans le Grand Est, via Airbnb. Voilà. D'accord. Donc, je retiens hein, que finalement, il n'y a pas que des impacts positifs, bien au contraire. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi justifié par les résistances que peuvent avoir certains acteurs, qu'on va écouter d'ailleurs. Un témoignage qui est recueilli, donc un témoignage d'une gérante fondatrice d'une structure durable, recueilli par Sarah, donc qui se déroule au Maroc. Voilà, donc la première question, c'est par quel biais les réservations sont-elles effectuées dans votre établissement? Est-ce que vous pourriez à peu près nous donner des pourcentages pour chaque canal? Alors, c'est 80%. Après, on doit avoir 10% d'agence. Mmh. Et après, c'est le restant, c'est soit du passage ou alors booking. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de ces intermédiaires-là, comme booking, de réservation d'hôtels en ligne? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors moi, je suis complètement contre parce que ça laisse aucun argent en fait pour le pays. Parce que étant donné que ces gens-là sont situés au Liechtenstein ou dans des choses comme ça, en fait, ils ne payent pas leurs impôts. En tout cas, ils ne laissent aucun argent pour le pays qui reçoit, comme par exemple le Maroc. Mm-hmm. Tout est payé, par exemple, avant, où les gens ont payé d'avance, etc. Donc, en fait, ils ont un pourcentage qui est énorme. Ils ont entre 18 et 20% de commission. Donc après, bah, ça va directement au pied peut-être chez l'hébergeur, mais je trouve que c'est, enfin, pour le pays, ça laisse rien du tout, quoi. C'est pas comme les agences où on fait vivre un maximum de personnes. Là, c'est entre, Booking prend une grosse partie ou toutes ces plateformes-là, et finalement, ils ont réussi à avoir une part de marché qui est énorme. Et du coup, le problème, c'est que maintenant, tous les établissements sont affiliés, et il y a beaucoup d'établissements qui sont pieds et poings liés avec eux.
Donc, c'est-à-dire que ben, ils ont mis toute leur dispo dessus, ils n'ont plus du tout de perso, ils ont pas du tout, ils sont complètement comment sans Booking, ils ne savent pas travailler. Ils ont beaucoup de commentaires sur Booking, donc ils ne veulent surtout pas arrêter de travailler avec eux, parce que sinon, forcément, ben, ils perdent leurs commentaires. Alors qu'en étant indépendant, comme on peut être nous, par exemple, eh ben, on n'a pas beaucoup de commentaires dessus parce que je ferme toutes les dates. Et on travaille très bien, bon, après, on n'a pas beaucoup de chambres non plus, on n'a que 7 chambres. Mais je trouve que voilà, pour un tourisme durable, etc., nous, ça fait pas longtemps en fait qu'on y est, on s'y est mis très tard. On a ouvert en 2010, on a dû s'y mettre en, je crois, peut-être 2017, 2018. Peut-être 2000, pas 2000, mais au moins peut-être 2017, 2018. Donc, c'est un truc en plus, mais les gens maintenant sont complètement, enfin, voilà, pieds et poings liés pour Booking. Donc, moi, je trouve que c'est pas bien pour les petites structures et que, voilà, ça, les gens sont complètement soudés avec Booking. Donc, voilà. Alors, la dernière question, est-ce que vous considérez que ces plateformes-là de C'est aussi, est-ce qu'elles sont un danger pour le secteur hôtelier en général et pour votre établissement en particulier? Alors, les bookings ou alors tout ce qui est site ou site, c'est-à-dire les customers, Airbnb ou des choses comme ça? Exactement, c'est exactement ça. C'est comme du Airbnb, par exemple. Alors, ça peut l'être, on va dire, s'il y avait des prestations du même standing, on va dire, que nous. Mais en tout cas, personnellement, enfin, et pour nous, c'est pas un danger parce qu'on sait que les gens savent de ce qu'ils viennent chercher chez nous. Ils ont un service et ils ont une qualité qu'ils ne retrouveront pas forcément, en tout cas dans la région, en étant par exemple chez l'habitant ou des choses comme ça. Après, c'est pas du tout négatif ce que je dis. Après, il y a certains gens qui cherchent ça et qui le trouvent tout à fait. Mais en même prestation, etc., peut-être ailleurs dans le monde, oui. Mais ici, c'est très dur. Dans le sud du Maroc, en tout cas, nous, c'est pas du tout une ombre pour nous. Du tout. D'accord. Mais par rapport à les autres structures ailleurs, dans des grandes villes, par exemple Marrakech ou des choses comme ça, oui, ça peut l'être. Ou alors ailleurs dans le monde, oui, ça peut l'être, effectivement. Mais après, finalement, moi, je préfère des choses comme ça où l'argent est mis entre customer, plutôt qu'encore une fois que ces plateformes immondes qui prennent une commission de fou, ils prennent 20%. L'État, c'est 10%, nous, qu'on paye. Donc, on compte en nos charges, plus les 20%, plus, bah, finalement, on travaille peut-être pas à perte, mais bon, c'est pour gagner à peine, quoi. D'accord. Moi, je suis une anti-booking et tous ces trucs-là, quoi. Mais finalement, on a trouvé avec ce créneau-là, et en n'ayant que du perso, ça nous permet d'être hyper libre. Donc, moi, je vois en fonction de mes résas, si je vois que ça va être tendu, voilà, je vais ouvrir un peu sur Booking, ou alors quand c'est des périodes creuses, oui. Mais sinon, en temps normal, moi, ça ne m'intéresse pas de donner 20%, parce que même pour les agents, je ne donne pas 20%. Les agents, je suis entre 10 et 15% maximum. Alors que Booking, voilà, faut donner 18%. Bah, après, par contre, les gens dînent, c'est des choses en plus, mais ça, on les a aussi avec les clients perso. Donc, moi, je pense qu'au tourisme durable, enfin, voilà, toutes ces plateformes Booking et tout ça, c'est zéro. Après, Airbnb, ça dépend où on est. D'accord. Ça peut concurrencer un petit peu, mais quand même pas. Nous, on est quand même maison d'hôte. C'est quand même un service privatisé. Enfin, c'est un service, comment on appelle ça, à la mesure, en fait, à la mesure du client. On s'adapte au client. Et voilà, on est reçu comme dans la famille, quand on arrive client et on repart à lui, quoi. Il y a autre chose, en fait. Il y a un supplément d'âme, c'est exactement ça. Le terme est. Il y a un supplément d'âme qu'on a, nous, en tant que maison d'hôte, le collège, par exemple. Que les autres n'ont pas. Les hôtels n'ont pas la même chose, justement, les Airbnb et tout ça ne l'ont pas. Et justement, moi, le problème que j'ai, je trouve, enfin, avec les clients en booking, c'est que j'ai aucun contact avec eux avant. J'ai aucun échange. Parce que normalement, quand c'est mes clients, les clients qu'on reçoit, il y a déjà plusieurs échanges mails, je vois qui j'ai affaire, on sympathise déjà, ne serait-ce qu'en mail. Donc, les gens arrivent, ils savent ils m'ont posé des questions, ils savent où ils viennent, etc. Que booking, quand vous regardez les notes de booking, on n'est pas aussi bien noté qu'ailleurs, parce que les gens arrivent. Et Booking, c'est consommer pour consommer, quoi. Je consomme une nuit, je veux la piscine, je veux machin. Alors que non, c'est pas ça. Nous, en fait, c'est des longs séjours. Donc, en fait, ces gens-là, je trouve que c'est une erreur de casting. Ils viennent, mais ils sont pas intéressés du tout, ni par la culture, ni par ce qu'on fait, nous, en fait. Ils viennent, ils sont là, mais ils s'en vont, ils s'en fichent. Que les autres sont intéressés beaucoup plus par la culture, ils démarchent avant. Que Booking, c'est voilà. Si j'ai besoin d'une nuit, bah, je vais réserver là. Bim, bam. Et ils s'en fichent de savoir ce qu'il y a autour, de qui vous êtes, ou de ce qu'on peut faire, ou quelle est la culture, quoi. Donc, je trouve que c'est moins bonne qualité que voilà, c'est des clients perso ou même encore en agence. D'accord, ok. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Alors, on vient d'écouter un témoignage qui est vraiment très, très intéressant, hein, qui souligne bien que certaines plateformes, finalement,
ne partagent pas hein, la valeur ajoutée que peut générer ce tourisme. On est plus là sur de la quantité que sur de la qualité. La relation, elle est plus anonyme hein, à travers ces plateformes, alors que ces petites structures, par exemple, souhaitent une relation beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus durable sur la fidélité, sur la durée. Un témoignage qui nous vient de loin, mais est-ce que dans notre territoire, on va retrouver un petit peu cette même résistance à ces plateformes? Donc, on va écouter le témoignage suivant d'une petite plateforme de structure dans nos territoires, là, très proches. On l'écoute. Bonjour, Jérôme Mastec, je vous remercie. Vous nous accueillez aujourd'hui auprès de votre établissement. Et je vous poser quelques questions dans le cadre de notre recherche donc, sur les plateformes numériques. Mais je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter. Alors, Jérôme Mastec, 37 ans, juriste, foliuriste allemand, ancien expert judiciaire en finance, désormais reconverti propriétaire et exploitant de l'hôtel Bel Esprit, très petit hôtel rural de 6 chambres situé dans le lieu-dit de Weidesheim, au croisement des 3 destinations Sarreguemines-Confluence, l'Alsace-Bossu et le Pays de Beach. Alors, l'hôtel accueille une clientèle purement touristique, avant tout des couples, pour des séjours de détente, de déconnexion et de ressourcement mental et physique au plus près de la nature. Alors, effectivement, on a pensé à vous interroger parce que vous êtes bien situé, ancré dans la grande région. On s'interroge, nous, sur les plateformes, les centrales numériques, et on aurait voulu savoir comment les clients viennent à vous, par quel biais passent-ils leur réservation. Notre principal canal de réservation est notre propre site internet que nous avons doté d'un module de réservation et de paiement en ligne. La plupart des clients sont acheminés vers notre site au travers de recommandations de nos anciens clients, des annonces et publications que nous faisons sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, mais aussi par l'intermédiaire de nos partenaires sur le territoire, les offices de tourisme et le département au travers de sa branche Moselle Attractivité par laquelle nous venons d'être labellisés hébergement qualité Moselle. Environ 30% de nos clients effectuent leur réservation de bout en bout par l'intermédiaire de notre module de réservation. Encore 30% se rapportent aux coordonnées téléphoniques fournies sur le site et nous contactent de cette manière pour finaliser leur réservation. Puis encore 30% privilégient l'email et pour finir, les derniers 10% viennent en présentiel à l'hôtel afin de s'imprégner du lieu et pour nous rencontrer avant de réserver. Alors, ces derniers sont avant tout, évidemment, des locaux, mais on y retrouve également des Sarrois en balade le week-end. Cela peut sembler atypique, mais ce côté très humain est totalement en phase avec notre philosophie qui cible une clientèle assez typée. En revanche, nous passons totalement d'un démarchage commercial au travers des plateformes telles Booking.com ou autres. La raison est que nous souhaitons conserver la parfaite autonomie de la gestion commerciale de notre établissement afin de pouvoir rester fidèles à notre philosophie, à la vision entrepreneuriale que nous nous avons donnée à notre projet. Donc, de ce que je ressens et de ce que vous me dites, c'est qu'effectivement, vous ne passez pas par ces centrales, vous avez donc réfléchi, pour l'instant, ce n'est pas une option, vous avez eu l'occasion sûrement d'être en contact avec eux. Où est-ce que le bas blesse hein? Alors, ces plateformes constituent des courtiers qui mettent en relation des hébergeurs selon la plateforme privée ou professionnelle avec des hôtes, là encore, privés, touristiques ou professionnels. Je ne me permets pas réellement de jugement de valeur sur l'existence de ces acteurs. Je pense que leur existence se justifie par le manque de connaissances techniques, juridiques et économiques des acteurs de l'hébergement dans le domaine numérique, d'une sorte d'illettrisme numérique qui, dans le sillage de l'essor du e-commerce, a créé une brèche au profit de ces plateformes. De là, beaucoup d'hébergeurs ont tout simplement abandonné leur souveraineté de la gestion des flux de clients. Et pour notre part, heureusement, nous pouvons nous passer des plateformes de réservation, sachant que nous sommes un très petit hôtel et que notre clientèle cible est très nichée. Nos propres réseaux suffisent donc pour alimenter notre contingent très limité de chambres. Et en plus, sur notre secteur géographique très rural, nous sommes en situation de quasi-monopole pour les séjours d'une à deux nuitées, du style évasion en amoureux, dans un cadre naturel, mais haut de gamme. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Monopole en milieu rural. Aujourd'hui, Airbnb développe une action, une campagne, justement pour que plus de particuliers fassent du logement de particuliers via leur plateforme. Quelle est votre position? Est-ce que, d'une manière générale, vous pensez que c'est un danger? Est-ce que vous trouvez un impact? En fait, je voudrais double vue. Point de vue macro et micro économique, c'est-à-dire pour tout le monde et pour vous en particulier.
C'est très pertinent. Je pense que les plateformes comme Airbnb mettent à mal une partie de la filière professionnelle. Là encore, le développement des plateformes C2C n'est que le résultat d'une distorsion massive entre le secteur de l'hébergement privé, dépourvu de toute régulation administrative, et la régulation quasi inflationnaire des professionnels du tourisme. Airbnb, dont la stratégie commence à s'axer aujourd'hui davantage sur les milieux ruraux, ne fait que sauter dans cette brèche créée par la politique qui manque à ses obligations régulatrices de fixer les mêmes règles pour tous les acteurs du tourisme. Selon ma conception juridique, il n'est pas possible de proposer de l'hébergement sans exercer une activité professionnelle. Or, les régimes en place actuellement le permettent. Or, les hébergeurs privés, à la différence des professionnels, ne sont soumis ni à l'hygiène alimentaire, ni à la protection contre l'incendie, ni à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, ni au contrôle périodique par des organismes agréés. Du coup, pour l'avenir, je vois le narratif de ce développement évoluer vers une phase où les professionnels du tourisme, sous la pression justement des conditions imposées par ces plateformes, finiront par se fédérer sous l'égide d'un organisme, par exemple comme l'UMI ou un autre, pour créer une plateforme mutualisée qui tiendra compte des intérêts de ses membres et qui permettra de commercialiser l'offre d'hébergement professionnel française en France comme à l'étranger. Moi, je vous remercie, vous avez été très complet. Merci beaucoup et puis on reviendra vers vous peut-être dans le cadre d'autres études. Merci. Merci, merci à vous pour votre intérêt. Bonne journée, au revoir. Voilà, bah écoutez, comme vous avez pu le constater, hein, ce témoignage reprend un peu les grandes lignes hein, du précédent. Et c'est un témoignage aussi relativement important parce qu'il met bien en exergue les distorsions que peuvent créer ces plateformes hein, du marché par rapport à des structures qui sont très réglementées et d'autres moins. Et justement, la seconde partie va faire l'objet des réglementations et notamment les enjeux juridiques des plateformes numériques. Et là, je vais me tourner vers Florence qui va nous expliquer un petit peu l'évolution de Airbnb et notamment au niveau du droit européen, quelle a été la stratégie juridique finalement suivie par Airbnb. Merci Hélène, effectivement. Sur ton contexte européen, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout a commencé par une plainte, on va dire en tous les cas, une remontée au niveau européen par une association de consommateurs norvégiens. Juin 2018, une association de consommateurs norvégiens saisit le réseau de protection des consommateurs et met en avant une série de dysfonctionnements sur le contrat proposé en ligne par Airbnb. Ça va très vite. C'est juin 2018, juillet 2018, la Commission européenne réagit et rédige un rapport et en mettant en avant deux difficultés, les pratiques commerciales déloyales du site Airbnb et les clauses abusives du contrat Airbnb. Il est clair qu'il y a deux directives qui s'appliquent à Airbnb, la directive donc de 1995 sur les clauses abusives, et puis celle de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales. On l'a remarqué nous-mêmes, hein, déjà. Souvenez-vous, on est il y a quelques années, mais souvenez-vous sur le prix. Quand on regardait au départ et qu'on choisissait, les prix n'étaient pas identiques, on n'arrivait pas à savoir. Un coup, c'était 38 euros la nuit, puis quand on regardait le total, on nous demandait 56. Donc, le prix était mis en avant. Ensuite, autre chose aussi qu'on a vu, et Corentin, dans son étude, a mis en avant, Airbnb peut proposer des offres de professionnels et de privés. Or, à l'époque, en 2018, aucune distinction, il n'était pas possible pour un consommateur de savoir si c'était du pro ou du privé derrière l'appartement. Les conditions de paiement étaient mises en exergue, les juridictions applicables, Airbnb, on ne l'a pas dit, mais c'est une société italienne, irlandaise, pardon, le I pour Irlande, clause sur la juridiction, le droit applicable. Vous êtes un consommateur allemand, bah tant pis, hein, le procès c'est en Irlande. Donc, les clauses sur la juridiction, la responsabilité, le recours, modification unilatérale des conditions par Airbnb et possibilité de mettre fin de manière discrétionnaire. Donc ça, c'est dans le rapport juillet 2018. Et j'ai trouvé que la commission à l'époque était vraiment sévère car elle l'a laissé un mois à Airbnb pour expurger les contrats de ces clauses. Un mois, c'était impossible. Airbnb a négocié jusqu'à la fin de l'année. La commission a dit, allez,
fin 2018. Il ne faut pas se leurrer, la collaboration a duré plus longtemps et Airbnb a expurgé toutes ses clauses en juillet 2019. Et c'est en juillet 2019, effectivement, que sur le site d'Airbnb, on a vu apparaître des modifications, des avertissements. Puis, ça c'était donc la première demande. La deuxième demande est une demande dans le contexte européen plus récente. C'est une demande de mars 2020. Donc cette fois-ci, alors, vous voyez un peu, l'Europe est saisie par les consommateurs, sauf que en mars 2020, cette fois-ci, c'est plus une association néerlandaise qui s'adresse à l'Europe, ce sont des villes. Amsterdam, par exemple, hein, Amsterdam, Berlin, Paris, Barcelone, Lisbonne, enfin voilà, toute une série de capitales, Cologne, Francfort, pour rester sur l'Allemagne, puisque ça va nous intéresser plus tard. Que mettent en avant ces villes, en fait? Qu'est-ce qu'elles reprochent? Et vous l'avez noté, et Philippe, tu l'as dit tout à l'heure, dans ton colloque sur les collectivités locales, Airbnb révolutionne la politique de l'urbanisme. Premièrement, les villes mettent en avant des questions de sécurité. Et j'ai envie de dire, à l'époque du Covid, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas même manger en terrasse. La présence d'un seul coup de milliers de particuliers qui viennent sur une ville, dans un centre-ville, alors que ce n'était pas prévu et qu'il n'y a pas de retour. Les villes et les municipalités ont mis en avant qu'il y avait des problèmes de sécurité. On demande, et pensez à Amsterdam. Amsterdam, c'est 4500 offres en 2013 sur Airbnb. En 2017, c'est 22 000 en centre-ville d'Amsterdam. Donc, comment gérer Amsterdam, c'est des petites rues, c'est des maisons bancales. Comment gérer la présence de tous ces touristes en centre-ville? Donc, ces villes-là ont fait remonter un problème de sécurité. Ensuite, et pensez cette fois-ci Paris, Munich, Londres, la crise du logement et l'inflation. Vous l'avez aussi mise en avant, effectivement. Donc, les politiques ici des collectivités locales ont remis en avant qu'il faut pouvoir mieux gérer, trouver un système pour que les propriétaires de logements continuent à laisser du logement d'habitation et non pas du logement en meublé. On verra, grâce à deux interventions donc de deux assistants, on verra les réponses françaises et les réponses allemandes pour pallier ce problème de ce qu'on appelle chez nous le changement de destination. Vous verrez, changement de destination, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez un logement qui est pour de l'habitation, et puis en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas rentable, et vous faites de la location meublée. Donc on verra l'évolution et les réponses françaises. Et le troisième, il ne faut pas non plus leurrer, et là c'est un peu l'hypocrisie, hein, soyons clairs, l'hypocrisie de ces villes qui disent, en fait, il y a un marché, et les taxes de séjour, comment on les récupère? Comment on les récolte? Et donc, demande aussi pour un encadrement, les villes ont envie de un retour sur investissement, un feedback, parce qu'il y a toute une organisation à mettre en place, et effectivement, il faut eh bien, que l'Europe trouve des solutions. Donc là, on n'a pas de réponse encore. Hein. C'est une demande, effectivement, en mars 2020. La réponse, elle a été en fait, et c'est Eurostat la réponse, en mars 2020, la Commission répond en disant, on va donc mettre en place un institut de statistiques pour voir si vous avez raison, pour voir si, effectivement, les chiffres, comme je disais, Alfama, 60%, à Lisbonne, du quartier, c'est du Airbnb. 60% du marché locatif, c'est du Airbnb. Donc, Eurostat a répondu à ça. Maintenant, attendons donc voir les résultats. Mais on va laisser, je te laisse la parole pour la suite. D'accord, merci infiniment, Florence, pour cette présentation très claire de cette évolution. J'imagine que la pandémie a dû un petit peu ralentir les prises de décision. Alors, là, maintenant, on va faire un zoom, justement, sur les règles en matière de location. Et Grégoire Brucker va nous présenter ses règles en France sur Airbnb. On l'écoute. Voilà. Bonjour Grégoire, je te passe la parole pour nous présenter eh bien, rapidement donc, le droit applicable à Airbnb en France, notamment dans les règles du Code du tourisme, mais aussi en jurisprudence. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer avec la réglementation des meublés de tourisme qui trouve application pour la location de Airbnb. Tout d'abord, le Code du tourisme nous donne la définition légale du meublé de tourisme qui peut trouver application pour les locations de Airbnb. Lorsque vous louez votre logement en Airbnb, vous devez le déclarer au maire de votre commune. C'est obligatoire, sauf
lorsque le logement constitue votre résidence principale. C'est-à-dire selon la loi d'Allure, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové de 2014, le logement que vous occupez au moins 8 mois dans l'année. Il y a une exception à cette exception. Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans certains départements d'Île-de-France, le changement d'affectation de l'usage d'un logement peut être soumis à l'autorisation préalable de la commune. Et ces communes peuvent décider, selon le code du tourisme, d'aménager un régime de déclaration préalable pour les locations d'Airbnb sur les résidences principales. Ce système a été validé récemment par la Cour de justice de l'Union européenne dans une question préjudicielle posée par la Cour de cassation en 2020. Alors, d'une part, la Cour de justice de l'Union européenne disait que la location d'un Airbnb pendant une courte durée, c'est-à-dire moins d'un an, constituait bien un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation. Et d'autre part, le système est justifié, notamment lorsque la commune poursuit un objectif de mixité sociale et s'appuie sur des caractéristiques du marché local d'habitation et sur la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements dans les grandes zones urbaines. Il s'agissait d'autoriser le système de la ville de Paris qui s'est appuyé sur cette disposition. D'autre part, lorsque vous louez votre résidence principale, vous ne pouvez pas la louer plus de 120 jours, c'est-à-dire 4 mois, sinon cela revient à vous écarter de la notion de résidence principale et du logement de 8 mois par an. Ensuite, une obligation d'information se pose pour Airbnb. Selon le code du tourisme, les plateformes numériques qui participent à la mise en location de biens meublés de tourisme sont soumis à une obligation d'information des obligations qui pèsent sur l'utilisateur. Et en échange, l'utilisateur doit remplir une déclaration sur l'honneur, comme quoi il respecte ses obligations, notamment celles que je viens d'évoquer. Alors, mais il n'y a pas seulement qu'une obligation d'information qui pèse sur Airbnb. Le tribunal judiciaire de Paris, l'année dernière, a opéré une qualification importante en matière de responsabilité. La loi de 2004 sur la confiance dans l'économie numérique a distingué deux notions, l'éditeur de contenu et l'hébergeur. L'hébergeur effectue une activité à caractère passif et n'a pas contrôle des informations stockées sur la plateforme. Tandis que, par opposition, l'éditeur, lui, a un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qui circulent sur la plateforme. Les éditeurs de contenu sont de ce fait, responsables pour tous les contenus sur leur plateforme. Et ils pèsent sur eux, par extension, une obligation de vigilance, aussi bien en amont qu'en aval. Et donc, en l'espèce, pour qualifier Airbnb d'éditeur de contenu, le tribunal judiciaire de Paris s'est appuyé sur des éléments factuels et notamment sur le règlement d'utilisation d'Airbnb. En l'espèce, le juge avait estimé que Airbnb avait commis une faute en s'abstenant de toute vérification et avait concouru au préjudice subi par le propriétaire du fait d'une sous-location prohibée par son locataire. Et en conséquent, Airbnb avait été condamné solidairement avec le locataire de payer au titre de fruits civils les sous-loyers qui avaient été gagnés par le locataire. Mais Airbnb a fait appel et conteste cette interprétation par le juge de la distinction d'éditeur de contenu et d'hébergeur. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Grégoire. Ok, donc on remercie ce jeune assistant juridique. Donc, Florence, je me tourne vers toi, finalement.
Est-ce qu'il y a une évolution de la jurisprudence? Si tu pouvais nous éclairer un petit peu sur cette question. Oui, alors, Grégoire a bien présenté, effectivement... Pardon, je m'étouffe. C'est bien. C'est parler derrière un masque, plein de poussière. Je vais te dire, c'est super. C'est vrai. Alors, juste une parenthèse pour tout le monde. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Voilà, ne soyez pas effrayés. Vous pouvez poser soit sur la première partie de cette table ronde, soit sur cette deuxième partie. Alors, il y a deux questions juridiques qui se posent à propos d'Airbnb en France. Et vous en avez parlé, et dans les témoignages, indirectement, on en a parlé. Est-ce qu'il serait possible de requalifier Airbnb d'agent immobilier? Je me souviens, et je crois qu'il y a un reportage, et je pense qu'il y en a un qui a dit que c'est le reportage marocain, où elle dit, la dame où on entend les chiens, elle dit, oui, ils prennent 20%, un agent prend moins. Donc, on voit dans son esprit, Airbnb, agent, même combat. Il y en a un autre aussi qui parle, et Jérôme Massec parle de courtier, donc ça veut dire intermédiaire. Je pense qu'il y avait un autre témoignage encore où on voit cette idée d'agent agent immobilier. Est-ce que Airbnb ne serait pas un agent immobilier? Si c'est un agent immobilier, pour nous, juridiquement, ça a des conséquences. Ça signifie un agrément, une autorisation. Donc, l'idée n'était pas si farfelue que ça. Hein. C'est quoi un agent immobilier? Un agent, c'est quelqu'un qui a des offres de location, des gens qui cherchent et qui les mettent en relation. Est-ce que Airbnb pourrait être qualifié? On a présenté cette question devant la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, vous voyez que là, je ne suis plus du tout sur le même secteur que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, j'étais sur la Commission européenne. Là, maintenant, je suis sur les procès. Je suis sur la Cour de justice. Cette question a été présentée donc par la CJCE. Ah, pardon, la CJUE. Désolée, je suis un peu vieille. Le 19 décembre 2019. Et effectivement, la Cour européenne a dû trancher et a refusé cette qualification. En disant que si on va sur Airbnb, et pas dans un agent immobilier, c'est pour le service. Quand on est un propriétaire, c'est pour le service. Et en fait, Jérôme Massec le dit, il traite un peu tout le monde d'illettré numérique. Donc c'est parce qu'on est illettré numérique qu'on s'adresse à ces plateformes, et donc ce qu'on cherche, c'est un service en ligne. Ensuite, deuxième argument, et qui est très intéressant des juges européens, c'est l'agent immobilier, quand vous arrivez, et surtout pour une vente, qu'est-ce que vous attendez sur une vente à chaque fois de l'agent immobilier? L'estimation. On est tous là, et alors, ça vaut combien ma maison? Donc on attend cette plus-value de l'agent immobilier. Est-ce que sur Airbnb, on les contacte pour leur dire à combien vous pensez que je peux la louer, ma chambre? On ne leur demande pas du tout. Hein. C'est moi, j'ai besoin de 50 euros pour ce week-end, je loue à 50 euros. Donc, effectivement, la Cour refuse la qualification d'agence immobilier et dit c'est un service. Un service en ligne, un service électronique, Airbnb doit se conformer à la directive du e-commerce adoptée en 2000. Deuxième affaire, le système que Grégoire nous a très bien dépeint, celui donc mis en place par différentes législations, et on verra en Allemagne que c'est la même chose aussi, des autorisations donc préalables pour pouvoir louer. Et on a des affaires, il faut savoir que les affaires de location, ça m'a très intéressée. Il faut savoir que même si vous avez vu, c'est limité à 120 jours, je ne sais pas comment ils font à Paris, mais 120 jours de location peut rapporter 81 000 euros. On a des arrêts à 50 000 euros pour les 120 jours de location à Paris. Donc on ne parle pas de 50 euros à la fin du mois. Hein. On parle, j'ai envie de dire, moi ce n'est pas mon salaire. Hein. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un complément de revenus. C'est une source de revenus. Est-ce que le système d'autorisation, de demander donc une autorisation pour pouvoir proposer une prestation de service, c'est conforme au texte européen sur la directive de prestation de service, liberté d'établissement, normalement on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, ici, on a une affaire qui est très longue, qui a démarré en 2018 et qui s'est conclue par un arrêt de la Cour de justice européenne du 22 septembre 2000 qui dit que cette réglementation, mise en place dans toutes les villes, il ne faut pas se leurrer, et là je n'ai rien à vous apprendre, elle est conforme au texte et à la liberté d'établissement et de prestation de services. Simplement, attention,
l'autorisation préalable qui est demandée pour pouvoir louer donc sur Airbnb cette location meublée, pour avoir des demandes de dérogation et des enregistrements, ça doit être proportionnel et ça doit suivre un motif impérieux d'intérêt général. Donc ça signifie ici que les juges européens disent à toutes les législations des pays internes, des États membres, vous pouvez limiter Airbnb, mais attention, d'abord, trouver des limites qui soient limitées. On ne va pas non plus empêcher Airbnb de proposer son activité d'intermédiaire, et que ça leur corresponde à un intérêt général. Et pour l'intérêt général, j'ai envie de dire, on y a répondu, et la Cour y répond. On a vu que les villes ont mis en avant ces problèmes de sécurité, de crise du logement, de pénurie. Donc, pour le coup, ici, effectivement, ça a été validé. Je compléterai encore, et avant qu'on voit l'approche allemande, par quelques petites affaires, tout est relatif, parce que pour nous, c'est des petites affaires, parce que c'est le tribunal d'instance, juste pour vous montrer un peu, on va dire, une photo, un instantané des contentieux aujourd'hui en France, c'est-à-dire des litiges sur Airbnb. D'abord, évidemment, tous les litiges sur l'absence de respect de cette autorisation. Et alors là, c'est assez marrant parce que c'est les villes qui agissent, alors Paris principalement, qui vont demander, attention, l'autorisation qu'on a mise en place, hein, comme Grégoire l'a montré, n'a pas été demandée, n'a pas été sollicitée. Et ici, on va pouvoir agir soit contre Airbnb. Qu'est-ce qu'on va reprocher? Ça a été dit, Airbnb n'attire pas l'attention sur les obligations qu'il faut suivre, et vous verrez que l'Allemagne a mis tout un système ici bien de suivi. Ensuite, ce qui est mis aussi en avant, c'est des conflits sur, et là aussi on l'a déjà vu dans la vidéo de Grégoire, le locataire qui n'a pas le droit de faire de sous-location, qui sous-loue, et qui, le propriétaire réclame les fruits, et effectivement la Cour de cassation, depuis 2019, permet au propriétaire de récupérer. On est sur de la sous-location interdite, de la sous-location illicite. Autre exemple, il m'a fait bien rire, je vous parlais de complément de revenus. On a un arrêt de cour d'appel sur un locataire en HLM, en logement modéré. Alors, le bailleur, là, public, a juste demandé des dommages d'intérêts symboliques, mais en disant, il ne faut quand même pas exagérer. Vous profitez d'un loyer modéré, c'est pas pour, et on est à Alfortville, on est en banlieue parisienne, c'est pas pour après aller gagner votre vie à relouer un appartement qui vous appartient pas. On a aussi tout l'enjeu dont on a vu du tribunal judiciaire sur est-ce que Airbnb est un éditeur ou un hébergeur. Et là, je rebondirai pour cette affaire du tribunal judiciaire de Paris sur le premier entretien. Celui sur Airbnb dans la région, le gars dit, termine, Philippe, en disant, moi je suis content, je suis super host. Super host, qui c'est qui lui donne la qualité de super host? Il ne se la donne pas lui-même. C'est Airbnb qui donne un label, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Donc, il y a une responsabilité de Airbnb, et c'est cette raison pour laquelle Airbnb est condamné comme éditeur et pas hébergeur. Un hébergeur, c'est, sur le bon coin, il n'y a pas le super vendeur avec label de super vendeur. Vous voyez, ici, il y a une sorte de label du super host, ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Et c'est un retour de bâton pour Airbnb. Si on revient sur tout au début 2018, les premiers contrats, je ne vous ai pas dit effectivement que je vous ai dit on lui reprochait de ne pas faire la différence entre privé et professionnel, mais aussi on reprochait à Airbnb de pouvoir retirer des annonces en disant « Oh bah toi non, je t'aime pas, toi oui, toi je t'aime pas. » Et bah ça, c'est comme un journaliste, c'est un éditeur de contenu, donc il y a une responsabilité. Enfin, la dernière affaire est Reva, et je conclurai là-dessus, dans une direction que tu as mise en avant aussi, cette fois-ci Philippe, sur les nuisances, puisque tu as parlé des nuisances, et effectivement, un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, j'avais pas pensé à ça, il s'agit cette fois-ci, alors, d'une copropriété. On vient de voir propriétaire, locataire, sous-locataire, effectivement, ça pose problème. Mais dans une copropriété, il y a un texte qui vous dit « Soyez calme ». Et bien donc, on a une affaire à Montpellier qui date d'octobre 2020, et qui est donc en cours, à mon avis, où un copropriétaire alors laissait son appartement pour des fêtes sur Airbnb. Oui. Alors, donc là, je ne vous raconte pas, fête sur Airbnb, fête autorisée, égale, fiesta. Et pour dire dans cette affaire-là, il y a même un des fêtes
les fêtards qui, ne retrouvant pas les clés, est passé par l'échafaudage. Vous voyez ? Donc on arrive vraiment sur du n'importe quoi. Eh bien, évidemment, il y a un trouble anormal de voisinage, on n'est pas étonné. Eh bien, le copropriétaire a été ici condamné à indemniser pour la responsabilité donc du non-respect du contrat de copropriété. Donc vous voyez que le panel, il est hyper large. Le spectre en droit français va des relations entre donc, on va dire, la ville et Airbnb, ou propriétaire, locataire, sous-locataire, ou le copropriétaire et les autres copropriétaires, voilà, sur le règlement. Donc on a vraiment ici tout un panel, tout, on va dire, des directions qui vont effectivement dans tous les sens, avec la dernière affaire qui est la plus récente, qui est de février 2021, et qui est sur comment prouver qu'on a changé la destination de son logement. Parce que Airbnb, vous l'avez vu, c'est de la location meublée. Et au départ, vous avez une location qui est pour de l'habitation. Comment savoir que vous aviez un appartement qui était pour de l'habitation ? Et là, dans l'affaire de février 2021, la Cour de cassation a dit on ne va pas reprendre des vieux cadastres de 1970. Ce n'est pas un bon élément de preuve. Alors, parce que dans l'affaire-là, il y avait juste un H en face de l'appartement dans le cadastre, H pour habitation, et comme cette habitation faisait du Airbnb, eh bien, on avait dit « Ah, bah, vous avez changé d'habitation », la ville disait « Vous avez changé la destination », sauf que 1970, un H, c'est trop vieux pour dire que c'était forcément que de l'habitation. Voilà, j'ai fini pour la prospective française. Merci Florence pour ces explications vraiment très claires qui prouvent finalement que ces plateformes ont besoin d'être cadrées juridiquement pour éviter les dérives. Justement, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe du côté allemand. Et là, Max Köhl va nous faire un détail, une présentation du côté allemand. Bonjour, merci Max, et bien de nous présenter les réponses allemandes face à cette problématique donc de Airbnb. Merci Florence, bonjour tout le monde. Je suis Max Köhl et je vais vous présenter l'état des lieux, des lois et des restrictions en Allemagne. La première question qui se pose, c'est est-ce qu'on est propriétaire ou s'agit-il d'une sous-location ? La question de la sous-location est particulièrement intéressante parce que la sous-location à des fins touristiques nécessite une autorisation expresse du propriétaire. Ça figure dans l'article 540 du Code civil allemand. Donc, si on est soi-même locataire, il faut d'abord vérifier dans le contrat de bail si la sous-location est possible, car il se peut que la sous-location soit déjà exclue. Une autorisation générale de sous-loyer stipulée dans le contrat de location n'est pas suffisante. Le consentement du propriétaire doit être obtenu avant la première location de façon expresse. Si le consentement n'a pas été donné, le non-respect peut constituer un motif de résiliation de bail dans le sens de l'article 543 BGB. Une telle annonce sur Airbnb peut à elle seule donner lieu à une mise en demeure, comme a été décidé d'un tribunal à Berlin. La prochaine question, c'est en fait la question des Zweckentfremdungsverbote. Si le propriétaire a donné cette autorisation express qui est nécessaire, le droit de bail n'interdit pas cette forme de sous-location, mais il peut exister des autres interdictions qui peuvent s'y opposer. En fait, que signifie ce terme typiquement allemand des Zweckentfremdungsverbote ? Il s'agit des lois qui sur l'interdiction de changement de destination des locaux d'habitation, et il stipule que ces dernières ne peuvent être utilisées à des fins autres que résidentielles qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. L'objectif des lois est de lutter contre la pénurie des logements. Il s'agit d'une compétence exclusive des lenders, conformément à l'article 70 du Grundgesetz. C'est pourquoi, en fait, qu'on trouve plein de règlements différents dans les Bundesländer. Ici, vous voyez un aperçu et on peut en déduire que pas tous les Bundesländer ont adopté une telle loi. Je vais vous présenter brièvement quel est l'état de la législation dans les trois plus grandes villes allemandes. D'abord, il y a à Berlin une loi qui est en vigueur depuis 2013, mais qui a été réformée la dernière fois en 2018. À Hambourg et à Munich,
La dernière réforme date de 2019, donc déjà très récente. En principe, l'autorisation est nécessaire si le local d'habitation est utilisé à des fins de location comme résidence de vacances ou à des fins commerciales ou professionnelles. Il existe quand même une exception. Aucune autorisation n'est requise si moins de 50% de l'espace est loué. Les développements récents de la réglementation est en fait, par exemple, une limite de durée de location touristique. À Munich et Hambourg, il s'agit de 8 semaines par an. Et à Berlin, il y a pour la résidence principale pas de limite, mais pour la résidence secondaire, un maximum de 80 jours par an aussi. Et la nouveauté qui a été introduite à Berlin en 2018 est le numéro d'enregistrement qui est délivré par le bureau de district local. Et la même chose a été introduite en 2019 à Hambourg. Merci de votre attention. Merci bien. Voilà, donc on voit bien hein, à travers tous ces différents éclairages que ces plateformes hein, sont nécessairement utiles hein, pour les acteurs de ce secteur du tourisme hein, de manière générale, mais qu'elles nécessitent un cadre juridique qui va éviter hein, les déséquilibres entre les différentes relations, entre les différents acteurs. Alors maintenant, on va lancer la conclusion. Et puis tenter de répondre hein, à travers cette conclusion et puis notamment tous les témoignages, les analyses qui ont été faites autour de cette table. Est-ce que ces plateformes peuvent être un levier pour un tourisme plus local? Et là, Sarata Ali va nous conclure sur ce point-là. Bonjour à tous. Pour conclure ce webinaire, cette présentation permet d'étudier est-ce que ces plateformes numériques pourraient être un levier de développement ou une opportunité de développement d'un tourisme local. Il faut savoir que 60% des réservations hôtelières en Europe passent par ces plateformes. Ces statistiques soulignent trois choses importantes. La première, c'est que les touristes, avant de réserver un hôtel, vérifient majoritairement les avis en ligne. La deuxième, c'est que pour réserver un hôtel, le touriste passe par d'autres supports tels que les smartphones et les tablettes. Et enfin, le touriste, au moment de la réservation, peut regarder et consulter la page Facebook de l'hôtel. Ce tableau présente le classement des 12 plateformes de réservation en ligne, les plus performantes et les plus rentables, selon deux périodes différentes, l'avant-Covid et l'après-Covid. Nous avons deux constats à relever en analysant ce tableau. Le premier, c'est que le classement des trois premières plateformes n'a pas changé entre les deux périodes. Et le deuxième constat, c'est l'effondrement du chiffre d'affaires, ce qui est totalement justifié par l'effet de la pandémie, notamment par l'arrêt des voyages et des compagnies aériennes. Et si nous faisons le lien avec l'analyse observatoire dans la grande région, nous constatons que Booking ressort également en tant que plateforme la plus utilisée pour les touristes afin de réserver leur hôtel en ligne. Les préconisations managériales issues des résultats de recherche que l'on peut soumettre aux différents acteurs sont les suivantes. Premièrement, il est recommandé de développer une stratégie de community manager afin d'être proactif aux avis et aux différentes réclamations des touristes. Deuxièmement, nous recommandons particulièrement aux hôtels locaux et aux petites structures de développer un site marchand et d'être plus présents sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ça va leur permettre de développer et de nouer un lien durable avec les touristes, avec leurs clients. Mais aussi, cela pourrait être une bonne opportunité pour le développement d'un tourisme plus local. La troisième recommandation, ça concerne le contexte sanitaire. Que nous vivons tous actuellement. Donc, nous recommandons aux structures hôtelières de mettre plus en valeur les dispositions sanitaires mises en place. Cela permettrait de rassurer et d'aider le touriste pour la prise de sa décision pour réserver son hôtel en ligne. Merci beaucoup de votre attention. Alors, voilà, on remercie donc la conclusion de Sarah et puis on va lancer hein, tranquillement donc le débat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions donc de les inscrire sur le chat. Et je crois qu'on a une question qui relève de la partie juridique. Alors, Grégoire, peut-être un peu plus fort.
existe-t-il des réglementations du côté allemand et français pour le développement d'un tourisme plus local? Alors, du côté allemand, c'est clair que quand on regarde l'objectif qui est les plateformes sont-elles donc un levier au niveau local, vous avez vu de ce que Max Kuhl nous a présenté, c'est que tous les lenders ont adopté des textes différents. Donc forcément, pour le tourisme en Allemagne, c'est une compétence qui est locale, donc les réglementations sont locales, donc ils ont la main, c'est le fédéralisme. Et j'ai envie de dire, la Wallonie, la même chose, les pays qui sont des fédérations ont forcément la main pour réglementer le tourisme local. Est-ce que les plateformes seront à levier ou pas? C'est eux qui décident et qui ouvrent ou qui ferment la vanne des réservations. Pour ce qui est maintenant du pouvoir au niveau local en France, j'ai envie de dire juridiquement, c'est une question effectivement, alors pour la politique, c'est la région, si je ne me trompe pas, qui est compétente, mais les lois chez nous sont nationales. Et les décisions sont nationales. Donc, lorsque Airbnb est condamné à Paris, la condamnation vaut pour toute la France. Alors qu'il est clair que si Airbnb est condamné à Sarrebruck, la condamnation ne vaut que pour la Sarre. Donc, la question est assez difficile à comprendre pour moi de comment une réglementation peut être un levier au niveau local ou comment la jurisprudence... Non, nous avons une vision d'un seul et unique droit et le code de la construction et de l'urbanisme, il est adapté. Chaque municipalité a son plan d'urbanisme. Et ensuite, c'est vrai que, n'oublions pas, c'est les municipalités au-dessus de 200 000 habitants qui régissent. Donc, ces problèmes, en tous les cas, sur Airbnb, c'est les municipalités qui vont les régler, qui vont, vous avez bien vu, c'est ce que j'ai démontré, qui vont l'approcher. Mais sur les textes, on a des références quand même, mais je ne suis pas spécialiste de la matière, hein. Il n'a pas été précisé que je suis privatiste, hein, donc responsable de matière de droit des contrats, droit de la responsabilité. Donc, tout ce qui est urbanisme, politique urbaine, j'ai envie de dire, voilà mon éclairage, mais je ne suis pas experte. D'accord. Il y a une question qui revient souvent, Florence, et je me tourne vers toi. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale avec la réglementation allemande par rapport à la réglementation française concernant, par exemple, l'utilisation d'Airbnb? Est-ce qu'il y a vraiment de vraies différences? Non. Le système tel qu'il a été présenté par Grégoire et par Max, on voit bien que c'est on va dire, des systèmes d'autorisation, de numéros, de suivi. Fiscalement aussi, maintenant, il y a une pression puisque les revenus de Airbnb, en tout cas en France, sont automatiquement portés sur la fiche électronique. Donc, on a en parallèle des évolutions parallèles. Le détournement, le changement de destination que Max a mis en avant, c'est exactement les polémiques qu'on a en France. Donc on n'en est pas forcément au même stade, mais on a les mêmes problématiques et à peu près les mêmes instruments. Donc, et on n'est pas étonné. Je vous ai dit dès le début que c'était une politique européenne. Donc s'il y a l'Europe qui donne une direction, tout le monde suit. Lorsque le juge ou la commission intervient, forcément, il y a des alignements. D'accord, merci Florence pour cette réponse. Alors je me tourne vers Philippe par rapport à certaines questions justement aussi qui y reviennent souvent. C'est en fait finalement pour un tourisme local, Philippe, quelles seraient les plateformes qui seraient peut-être les plus à même de pouvoir répondre à attirer à un tourisme plus de nos territoires, qui profitera plus à nos territoires, et puis peut-être en fonction aussi des acteurs, je crois, par rapport à leur taille, hein, les grosses structures qui vont peut-être utiliser plus une certaine plateforme, et les petites structures peut-être d'autres, voire leur propre site. Qu'est-ce que tu en penses, quand même? Je pense, enfin, il y a une chose, c'est assez compliqué parce que, en fait, il y a des enjeux stratégiques complètement différents. C'est vrai qu'un hôtelier, qui a des consignes réglementaires très importantes, hein, notamment tout ce qui est HACCP, etc., alors que le breakfast donné par l'hébergeur Airbnb, eh ben, il n'a pas ces contraintes-là. Donc, il peut lui-même donner de l'alcool au petit-déjeuner, ça ne le dérange pas, ou mettre d'ailleurs une bouteille de vin à l'arrivée, alors que c'est strictement interdit, hein, s'il n'y a pas derrière une licence 4, enfin, etc. Donc, voilà. Donc, il y a une distorsion quand même sur la partie réglementaire. Mais ça, c'est peut-être ce qui cache, en fait, peut-être, à mon avis, quelque chose de plus pragmatique, à savoir,
je pense que ces plateformes, qu'elles soient professionnelles, Booking c'est quand même assez professionnel, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu moins de 10% des gens qui sont des particuliers. Et à l'inverse, c'est pareil, sur Airbnb, on retrouve des hôtels, mais c'est moins de 10%, hein, ça a été dit hein, par notre ami Corentin. Donc, je crois que ce qu'il faut se dire là-dessus, c'est que c'est comme tout, c'est que on a une volonté de développer le tourisme, hein, donc, et on est confronté, nous, Hélène, tu le sais bien, dans cette idée du tourisme durable, mais est-ce que le tourisme durable, aussi, autre question, est-ce que c'est le tourisme de masse? Est-ce qu'il peut être durable ou pas? Et bien là, moi, je dirais que c'est la même chose. Est-ce que des plateformes comme Airbnb et Booking vont pouvoir faire développer un tourisme local, durable, de grande proximité, hein? Moi, je pense que je ne sais pas y répondre à cette question-là. Je pense que c'est vraiment un fonctionnement tout à fait particulier qu'il faut avoir entre ces acteurs, particulier donc, hein, le particulier qui loue son logement, et puis même ça, il y a eu des dérives, enfin bon, j'en ai pas parlé, mais il y a des dérives terribles, hein, des gens qui ne déclarent que 100 jours et qui louent 200 jours, et puis avec tout ce qui peut avoir comme conséquence. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement, il faut que les acteurs, qu'ils soient privés ou entrepreneurs, eh bien, et en tête que le tourisme, ce n'est pas quelque chose qui s'invente comme ça. Et là-dessus, les collectivités locales et régionales l'ont bien comprise. On est actuellement dans une espèce de réunion avec des maires, des communes du Grand Est et de la région transfrontalière. Et on sent bien que c'est quelque chose qu'ils ont pris à bras-le-corps. Ils se disent, il faut absolument qu'on fasse une espèce de tourisme raisonnable. C'est-à-dire qu'on utilise ces plateformes-là et puis qu'on mette aussi peut-être des contraintes un peu plus fortes dans certains cas. Et là, c'est vraiment le local qui va y gagner. Parce que faire redécouvrir aussi des territoires locaux, c'est un enjeu qui n'intéresse pas que le département, mais qui intéresse en fait toute la région. Et ça, il faut que nos élus se penchent sur la question, retroussent les manches, et puis trouvent les bonnes solutions, pas forcément réglementaires, mais incitatives. Voilà. Ça me fait penser à un point qu'on a vu, effectivement, de mon côté, ce changement de stratégie de Airbnb, puisque les centres-villes se ferment, puisque on est sur certaines grandes villes, les villes les plus touristiques, hein, Paris... On est sur un logement qui est vraiment tendu en logement locatif. Et Airbnb a, depuis avril, développé une politique et des accords avec les maires des communes rurales pour, au contraire, qu'on n'ait pas forcément des touristes en ville, mais cette fois-ci, dispatchés sur tout le territoire. Et si on écoute les campagnes de pub à l'heure actuelle, on a « Bonjour, je suis Gérard de Cassis ». Je suis super host, enfin voilà, on a une campagne de communication de Airbnb qui s'inscrit. Et donc là, l'Association des communes rurales de France a effectivement, je pense, volontairement signé cet accord parce que ça permet d'abord de faire connaître des territoires, de faire du tourisme vert et puis aussi de laisser des logements pour l'habitation dans les centres-villes, ce qui manque. Pour des étudiants, dans les grandes villes universitaires. Donc, je ne dis pas en banlieue, hein. On ne cherche pas, parce qu'on était déjà en banlieue. Hein. On va vraiment sur les territoires. Et ça, je pense que dans l'étude, c'est vrai que là, on était sur l'étude de la frontière, mais si on avait étendu l'étude, on aurait vu déjà, je pense, on pourrait avoir, dans le cadre d'une prochaine journée, cet impact sur l'ensemble du Grand Est et pas juste sur la frontière. Il y a deux choses que je note qui sont vraiment très, très intéressantes dans ce que tu dis, Philippe et Florence. Alors, la première chose par rapport à Florence, c'est vrai que quelque part, d'ailleurs, dans un des témoignages, on l'entendait très bien. En fait, la répartition de la valeur qui est générée finalement entre le touriste et l'hébergeur et le fameux intermédiaire, cette répartition de la valeur n'est pas redistribué naturellement dans le territoire. Et ça, peut-être effectivement, un cadre juridique un peu plus strict pourrait permettre cette redistribution naturelle. Et puis, c'est vrai que le deuxième point, donc par rapport à Philippe, ce que tu disais, c'est finalement, dans le processus, l'intégration des différentes parties prenantes est essentielle. L'acteur touristique, l'hébergeur,
ne peut pas faire sans les autres parties prenantes, c'est-à-dire la collectivité, les différents points touristiques qui peuvent y exister et qui permettraient justement de pouvoir accueillir un touriste local et de le propulser, de le développer à l'intérieur du territoire. Mais la dernière réunion que nous avons eue justement par rapport au colloque qui va se tenir le 13 octobre dans les Ardennes belges, soulignait justement la difficulté aujourd'hui, comment prévenir de passer d'un village de 100 habitants à 5000 habitants. Et ça, c'est une des problématiques à résoudre, donc à développer. Et ça pourra faire l'objet, comme tu disais bien, d'un autre webinaire, d'un autre colloque, d'une belle discussion peut-être autour d'une table ronde. En tous les cas, nous remercions donc tous les participants, nous remercions donc l'ensemble des personnes qui ont fait cette organisation, cette table ronde. Et donc, on vous souhaite une très belle soirée et on vous dit peut-être à très bientôt. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.